Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode, enfin un nouvel épisode, nouvelle série carrément sur BioShock. Bah en avant, c'est parti, j'ai jamais eu l'occasion de tester ce jeu-là, bah du coup, bah on le teste et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors faites glisser le curseur jusqu'à la caisse, soit grise, foncée, soit tout juste visible. Ouais, enfin, c'est l'autre côté, allez. Voilà, ouais, comme ça. Acceptez les modifications, yep, c'est parti, facile ou normal, vous êtes novice en jeu de tir, quelques jeux de tir, ouais. Ouais, bah j'ai joué à beaucoup de jeux de tir, mais j'ai pas envie, sachez que j'ai les trois jeux, du coup, bah, hop, on va essayer de faire assez simple. Je reconnais presque plus Rapture, on dirait qu'ils ont même... Ah, bah, j'ai pas le temps de lire. Alors, Mi-Atlantique, 1960. Nous sommes dans un avion. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Oula, c'est pas bon ça. Ah, je crois qu'il s'écrase là, l'avion. Bon, bah, on saura peut-être pas. Donc, d'après le petit logo que je viens de voir, je dirais c'est une ville sous l'eau, c'est ça? Ah, je vous ai dit, je connais pas du tout ce jeu-là, je teste pour la première fois, j'ai entendu parler apparemment des bons avis. Et j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, prends-le, faut que t'y joues, ça déchire, c'est... Bah du coup, bah je me suis lancé en promo sur Steam en ce moment. Le pack trilogie. Alors j'en ai profité. Bon déjà je peux diriger mon perso. On peut aller sous l'eau, non? Ah, quoique. Oh, c'était quoi ça? Ah ouais, il a pas l'air en forme. Bon, la queue de l'avion. C'est quoi, c'est le phare d'Alexandrie? Ah, un truc là pour monter dessus. Ah, c'est un cercueil. Merde. Bon, j'ai l'impression qu'il sombre dans l'eau, mais il bouge pas en fait. Ah, ça ramène vers l'eau, ça. Bon, on va rentrer à l'intérieur. Dans le phare d'Alexandrie. Oula, c'est fermé. Éclairage. Ah, j'ai vu un petit truc là. L'homme bâtit le parasite demande. Oui, ma part. Ni dieu ni roi le pouvoir, l'homme. Ah d'accord, en fait c'est... Attends. L'homme bâtit le... Ouais, c'est ça qui est marqué sur... Ah, c'est pas mal ce genre de traduction comme ça. Donc, il y a quoi au milieu? On voit pas trop. Droite ou gauche? Oula. Bon, ça s'éclaire au fur et à mesure qu'on descend. Pas d'autres trucs, non. Mais qu'est-ce que c'est donc? Alors c'est un jeu type dans le style steampunk et c'est un style que j'apprécie énormément. Levier de la bathysphère. Et un ascenseur, ouais. On arrête. Ouh.
Ça me fait penser à des statues qu'on trouve dans Superman. Je sais plus c'est quel. Pas le Daily Planet. Je crois que c'est la tour de Lex Luthor. Parce qu'il y a des bonhommes comme ça. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. Ah, bah carrément. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la... Oh, ça méca ça? Il danse ou quoi? Oh, une baleine! Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les crozons m'arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce que le bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Même sous l'eau, il y a des affiches publicitaires. Bon alors, tir plasmide, tir arme, changer de plasmide. Ah, jamais le temps de lire. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. C'est quoi ça? Ouh. Ça a pas l'air d'être cool. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La lumière, s'il vous plaît. J'ai peur dans le noir. Ah non, ça va, ça brille. Alors qu'est-ce que c'est donc? Oula. Je vais sortir, s'il vous plaît. Alors, j'ai une barre de santé. Prenez cette radio à Hong Kong, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas. Et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas, je ne vous lâche pas d'une semelle. Alors je vais faire un petit truc, je vais régler l'option sonore. Alors réglage de la luminosité, option, volume de principal, on va baisser un peu. Les bruitages, on va baisser un peu. La musique, on va carrément baisser. Volume des voix, on va laisser comme ça, difficulté. Basse ou ouais, entraînement avec soutien, ouais, non, pas besoin. Ça, sensibilité de la molette, on va peut-être augmenter. On va voir qu'est-ce que ça donne déjà. Flèche, les quêtes, ouais, bah c'est bon, c'est validé. Et on fait quoi, star? Ouais, bah, c'est ça. Voilà. Et il est où l'autre là? Parce que j'ai pas. Ouais, bah quand je vois des messages comme ça au sol, ça me donne pas.
on s'accroupit comme ça. Je vais te faire souffrir longtemps. Ouh là 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 là. Ah. Waouh. Ouais, ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est tout, on frappe plus comme ça. Moi, j'espère que j'en aurai pas besoin de l'utiliser. Ah, mais sérieux, dites-moi où il faut que j'aille. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je vais un petit peu encore augmenter la sensibilité parce que 55, c'est pas du tout mon style. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ouah, c'est déjà un peu... Ah. Oh, j'en suis le tuer. Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Pas si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Alors, j'en profite encore pour voir si je peux pas changer les configurations de la manette ou voir directement. Alors, trousse de soins, c'est ça qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Sauter, ok. Changer d'arme, tir d'arme, plasmide, changer de plasmide. Ça doit être des grenades, je suppose. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose dans les touches. Alors, on va voir si on peut fouiller. Non, on peut casser. Non. Manger. Bon. En fait, il n'y a que manger. On peut pas aller ramasser. Alors, est-ce que j'ai un inventaire? Oui. Alors, remonter le plus vite. C'est les objectifs. Alors, on va essayer de faire cette objective. Non, bon, il n'y a pas de sac. Message radio. Bon, on va monter. La vision de l'homme, salut de l'humanité. Alors, hop. Ah, mais en fait, c'est pas ça qui est marqué du tout. Ah, oui, c'est une vision de l'homme. Mankind, salvation. Bon, bon, en fait, c'est peut-être ça. Alors, plasmide, ok. C'est trop bien, ça me fait penser à une application qui est sortie il y a pas longtemps. Ah, ça, c'est des trucs à prendre. Alors, améliorer. C'est quoi? C'est ma santé que je vais améliorer, c'est ça? Ok. Genre, le mec, il atterrit dans l'eau avec un avion écrasé, puis il trouve une seringue et pouf! Ok. Il est mort ou quoi, là? Oula, c'est quoi ça? Tu crois que celui-là a son compte? Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? Ça me fait peur. J'essaie de faire le mort. T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette! T'as qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été là! Tu t'en sortiras pas. C'est quoi sa gueule? Métal, ma petite. Ah, vache. Oula. Ah, c'est pas le petit mec qu'on a vu tout à l'heure là qui dansait. Et c'est quoi ça? C'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre.
Hein ? De la lumière dans mon ventre ? Alors la gamine, elle a un mecha comme animal de compagnie, c'est ça ? Vous tenez le coup, l'ami ? Le protoplasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclair, pas vrai ? D'accord ! Je peux faire des éclairs, c'est cool. Yes ! Fouiller. Ah bah si, maintenant on peut fouiller. Tout à l'heure, j'ai pas pu. Et du coup... Oula, c'était quoi ? Alors, en haut, bon, je suppose qu'il n'y a plus rien. Ah, c'est fouillé. Bon, des seringues. Oula. D'accord, en fait, je pense que mon mana n'est pas à l'infini. C'est quoi ça? Ah, la queue de poisson. La queue de poisson. La queue de l'avion. Bon, je suppose qu'il faut pas que je traîne. Et... Ouais. Ok, toboggan aquatique. Oh, les pauvres poissons. Non, ça marche pas. Bon. Où faut que j'aille? Ah bon, bah, il suffit, j'ai juste d'avancer. Voilà, j'ai peur de tonneaux qui tombent. Bon, on va aller voir par là. Il y a des trucs... prendre des seringues. Alors, qu'est-ce que c'est? Vita chambre. Si vous êtes tué par les autochtones de Rapture, vous serez instantanément reconduit à la dernière Vita chambre que vous avez croisée. Une partie de votre énergie est rétablie. Vous avez une quantité d'EVM minimum. Vita fonctionne automatiquement. Inutile de chercher à l'utiliser ou de l'activer. Bon, ok. C'est un point de... C'est un point de spawn, enfin de respawn. C'est un checkpoint. Voilà, chercher le mot. Ah ouais, je voudrais bien savoir où est-ce qu'il est mon inventaire là. Alors, ah, il y a des émoticônes pour indiquer les trucs. Okay. Ah, j'ai vu un truc là, X info. Afficher les conseils. Objectif, message radio. Note, arme. D'accord, c'est un système de sécurité. Ouais, bon. J'ai ramassé? Non, j'ai pas ramassé. C'est quoi? C'est du sang, ça? Berk. Alors là-bas, il y a un monsieur qui brille. Tabac entraîne une perte de santé, mais... Gain des... Ok. Fouiller. Alors, rupture. Rapture. Putain, j'ai trop du mal. Pourquoi rupture? Boire. Cadavre. Prendre. Waouh. Ah, il gicle du sang, lui. Tiens. Bon. Ah! Ça me fait peur. Venez, je veux simplement vous... Marche. Vas-y. Essaie de ne vous permettre pas de me juger. Dites à Ryan que je suis désolé. Ça n'arrivera plus.
Ok. Il est en feu, lui! Bon, il faut avouer que ça fout un peu les jetons. Je peux se conduire sur l'ascenseur, c'est ça. Alors, le but, c'est de monter en haut. Alors, on monte en haut, on essaye. En même temps... J'ai une famille. Je veux les faire sortir d'ici. Cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Et bien donc, on est monté, alors je vais mettre fin à cet épisode-là et puis on se retrouve pour le prochain objectif. Allez, prochain épisode.